amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, nous sommes le 15e jour. C'est ça le 15 aujourd'hui? Oui. C'est ça. 15. Le 16. Le 16, excusez-moi. Hein. Je me trompe, ça fait déjà deux fois. Et c'est... Ben, pas ouvrir parce que sinon tu m'en vas en foutre partout. Hein. Rien qu'à voir... Ça doit être des petits granulés à mettre dans la douche. Dans l'autre, on ne lavait pas. À mon avis, pour le bain ou pour la douche. Dans l'autre, c'était une boule de bain. Ça, je me rappelle. Dans l'autre, c'était une boule de bain. Ici, sont comme des... Et des petits grains qu'on doit mettre dans la baignoire ou une sac à rincer. Quelque chose comme ça. Donc voilà, alors ici, elle va ouvrir, met la grande lumière, du poplar. Oh, c'est un fond de teint pour le visage, un clair ici, un très très clair, un blanc. Ben, un blanc. Ouais, c'est un blanc, voilà, un blanc. Il n'en reste plus beaucoup, hein, mes amis. Plus qu'une semaine, et dans une semaine, c'est Tikaba, 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 wop, Tikaba, wobe, wo, nifo, wina, zonanana, et da, 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 da. Allez, donne-moi le chulila. Le chulila. Chulila, 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 la. Chulilala, 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 la la. T'as ouvert le 16, mais le 15, t'as pas ouvert. Ah bon, ça m'arrive. Oh, et hein, chacun son tour, hein, de se tromper. Hein. Elle a peur du 16, elle a peur. C'est un arbre, de toute façon. Et je parie que là aussi, voilà. Donc tu vois, que ça soit l'un ou l'autre, maintenant, hein, voyez, il n'y a pas de dodo, c'est, ça roule, hein. Voilà. Et l'autre, il a joué avec, je vous le dis, il a joué. Voilà, il a joué avec les bonhommes, et bon, j'ai remis à place comme il faut. Hein? Donc voilà, ça commence tout doucement à se faire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. On dit, ça y est, ça se transforme bien. Ah, ben prends hein? Oh là là. Vous croyez qu'elle va me donner dans ma bouche, hein? Je vous retourne. Bon, 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 mes amis. Depuis là, tantôt, je vous reprends. Vous avez dit que j'allais vous retourner. Je vous ai pas retourné. Hein? Bon. Mais j'ai dû m'occuper de ma fille. Alors, elle vous a fait le calendrier. Oui, elle a fait les deux. Vous avez vu, hier, moi, j'avais fait les deux. Aujourd'hui, ben, c'est elle qui a fait le vert, qui a fait le calendrier village. De toute façon, ce n'est que des arbres. Quand on aura tous les arbres, à ce moment-là, vous verrez, il y aura peut-être les murs à ce moment-là. Et après, ce sera les genres de lampes lucioles. Et alors, elle a fait le calendrier maquillage. Ouais, maquillage, vous ne me voyez pas. On va allumer la lumière, vous me verrez mieux, mes amis. Je suis si sombre, si sombre. Bon, ben ici, autant vous dire, je ne vous ai plus repris. Car autant vous dire que j'ai déjà tout... ranger les... J'ai replié tous les vêtements qu'il y avait à replier en haut. Au moins, si je suis déjà tranquille, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de... Il n'y aura plus qu'une chose à faire, c'est de remettre à place mes vêtements. Ouais, il n'y a plus que ça à faire, de remettre à place mes vêtements et de... refaire les lits comme il faut, parce que là, autant vous dire que je les ai ouverts pour dire d'aérer, j'ai profité, j'ai ouvert la fenêtre comme ça au moins ça aère un peu, ça retire toutes les saletés,
Hein? D'habitude, c'est ma fille qui le fait. Et si elle ne l'a pas fait, donc moi, je le fais à sa place pour dire d'aérer un peu la maison. Alors, au matin, donc je vous avais pris, donc au moment qu'elle a ouvert les calendriers, j'étais avec la longue robe rouge que j'ai prise à Bruxelles avec la fine tirette. J'ai dû la retirer tellement que j'avais chaud, mes amis. Ah ouais. En plus de ça, et elle traîne jusqu'à mes pieds, hein. Donc, je me dis, je vais la retirer. Et au moins, ainsi, je sais travailler dans la maison. Et quand j'aurai fini de travailler, à ce moment-là, je la mettrai. Donc, ici, j'ai déjà fait tous les linges. J'ai déjà remis les linges du gamin à place. J'ai descendu les vêtements à faire de ma fille et de moi. Il y a déjà une machine qui est déjà en route. Et oui, il est autant vous dire, si vous savez quelle heure il est. Il est déjà. Je vois pas tellement qu'il fait sombre dans ce coin-là. On varie de tout. Il va être 40. Il va être 7h40. Hein. Ah ouais, il fait sombre. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Peut-être qu'à mon avis, vous non plus, vous n'allez pas. Voyez, l'aiguille, elle est là. L'horloge, elle est là. Mais il fait tellement sombre dans ce coin-là qu'on a difficile à comprendre qu'est-ce qui est marqué dessus. Vous voyez? Bon, donc, hein, mais bon, je vais essayer de trouver un système niveau ça. On vend à Djoum des genres d'autocollants multicolores, voyez, multicolores, où on voit les numéros, je m'en fous, hein, les numéros, je m'en fous, mais les aiguilles. Si je sais déjà où les aiguilles sont, c'est déjà bien. Comme ça, au moins, je sais trouver les numéros, je sais à peu près où ils sont. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est les aiguilles. Au moins, quand il fait noir, on le voit direct, les aiguilles. Voilà. Hein. Donc, ici, autant vous dire que j'ai déjà fait tout ça. Alors. Qu'est-ce que j'ai dans. Qu'est-ce que je dois encore faire? J'ai plus beaucoup. Hein. Ici, je dois laver la salle de bain, passer un petit coup dans la salle de bain et dans la baignoire, dire dans la douche et à l'évier et un petit peu aux toilettes. Parce que bon, il faut passer un petit peu, hein. Que bon, je suis là tout le temps, mais bon. Hein, il faut passer. Toilette, c'est tout le temps. De toute façon, toilette, c'est tout le temps. Quand c'est pas moi, c'est ma fille qui le fait. Mais bon, c'est tout le temps. Mais l'évier est au-dessus de l'évier. Il vaut mieux quand même le faire. Parce qu'il y a quand même. Quand on ouvre les fenêtres, il y a la poussière de dehors qui vient. Alors, donc, il y a ça à faire. Dans ici, 1 heure, mon fils doit se réveiller parce que lui, il va à sa formation ici derrière. Lui, il commence à 8 heures. Non, il commence à 9 heures, mais il doit être là-bas pour 9. Il doit être. Il commence là-bas pour 9 heures, mais il doit être debout à 8 heures. Donc, autant dire, dans 20 minutes, il est réveillé. Hein. Ouais, dans 20 minutes, il est réveillé. Je vois mal les aiguilles, mes amis. Ici, c'est parce que vous le voyez pas, mais moi je le vois mal étant ici. Mais bon, bref, vous allez me dire, mais t'as qu'à allumer la lumière. Non, j'allume pas la lumière. Hein? Donc, dans 20 minutes, lui il va se réveiller. Il va déjeuner. Il va boire une tasse de café. Je sais pas ce qu'il va faire. Puis après ça, il va ouvrir son calendrier de l'Avent. Comme ça, au moins, vous voyez aussi qu'est-ce que lui il a eu. Et voilà, alors j'ai déjà ma vaisselle qui est déjà remplie. Il faut déjà faire. Bon, il n'y a que 4 tasses, mes amis. Il n'y a pas beaucoup. En 2 minutes, tout est fait. J'ai bien fait de faire ma vaisselle hier. Au moins, j'ai moins à faire. J'ai moins à faire. Ah ouais. Ah ouais. Mais bon, allez, je vous reprends. Je vous prendrai peut-être après. Ou alors vous allez me voir en train de faire du ménage. Je sais que vous aimez bien ça.
vous avez vu, j'ai fait toute la salle de bain. Je ne vous ai pas montré le reste, hein, bien sûr, parce que tellement que la salle de bain est tellement petite. Donc, je vous ai montré qu'une petite partie. Donc, j'ai fait, vous avez vu mon évier, j'ai fait la puits de fenêtre parce que c'était plein de noir, d'humidité. D'humidité. Là, maintenant, je suis dans la chambre de moi et de ma fille. J'ai, voyez, tout retourné. Maintenant, je vais refaire le lit de ma fille et mon lit. Ça, je vais pas vous le filmer quand même. Hein. Mais non, vous n'avez pas besoin de savoir. Et vous n'allez pas voir mon cul-cul. Ah bon. Donc j'avais mis la robe que j'avais mise ce matin, je l'ai mise là tellement que j'avais trop chaud. Mais je suis sûre et certaine que quand j'aurai fini, que j'aurai plus rien à faire, que je serai posée sur mon PC, je vais attraper froid et je devrai la remettre. Ça, je la remettrai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de nettoyage, c'est simplement rangement, remettre un petit peu la maison en ordre, faire un petit coup à gauche et à droite. Remettre un peu les couvertures comme il faut parce que comme j'ai aéré un peu la chambre, ça demande à être aéré. Je profite un peu que les enfants sont partis. Et en même temps, j'ai aussi aéré la chambre de mon grand. Hein. Donc la chambre de mon grand est en train de s'aérer là aussi. Il n'y a plus que à refaire son lit parce que bon, lui, il n'a pas grand-chose à faire. J'ai déjà mis une deuxième machine en route. Oui. Vous voyez, j'ai déjà replié tous les linges et déjà replié. Vous voyez pas, les linges sont repliés. J'ai déjà préparé les vêtements du gamin pour quand lui va venir à la maison. Alors, j'ai quelque chose à dire. Il y a une personne qui m'a mis comme commentaire. C'est pas méchant. Je sais que c'est pas méchant. Comme commentaire, oui, je comprends que tu es fatiguée. Si tu as quand on a des enfants handicapés, je comprends qu'on est fatigué. Encore heureux que il y a un chat normal à la maison. Vous voyez le commentaire. Quand moi je lis ce commentaire, je me dis, mais allô, où elle voit des enfants handicapés? Oui, il y en a peut-être un enfant, comme elle précise, handicapé. Mais moi, j'appelle ça pas handicapé. Il est différent. Pour moi, il n'est pas handicapé. Il est différent. C'est tout. Je ne veux pas entendre le mot handicapé. Je ne veux pas. Peut-être que je le dis de temps en temps, mais... Je fais pas attention, mais je ne veux pas entendre le mot handicapé. C'est différent. Point. Il est différent à un autre enfant. Lui, il n'a pas de problème d'handicap. Elle, elle n'a pas de problème d'handicap. C'est ce qu'on pensait par après, mais au fur et à mesure du temps, elle n'a pas de problème d'handicap. C'est simplement ses crises d'épilepsie qui l'ont fait tardé dans ses problèmes de santé, mais aussi nous, on n'a pas de problème d'handicap. Donc, les commentaires, qu'on les tient et qu'on ne met pas le mot handicap, ou alors qu'on change, qu'on met différent. Voilà. Allez. Bon, ben, c'est pas fini. Mais il y a ça à faire. Et c'est parti. Je vous montre après quand c'est fini. Je vais vous montrer la salle de bain. Je vous ai pas montré la salle de bain, mais la salle de bain, elle est finie. Voilà, voyez, j'ai tout remis ce qu'il y avait là-bas. L'évier est propre, ça sent bon. Le WC est propre, ça sent bon. Ça sent le frais. Allez, monsieur, allez, allez, que lui, c'est pour aller au-dessus du chauffe-eau. Et ça, moi, je veux pas. Allez, on est parti et on fait la chambre. Et je vous montre après. Voilà. Le lit, il est remis. C'est déjà un petit peu plus mieux, hein? Bon. Au moins, on dira un petit peu. On dormira un petit peu plus mieux. Autant, j'ai trié le petit coin qui est là-bas dans le coin. C'était un vrai bordel avec le sac à couverture et tout ça. Donc, je l'ai mis en dessous de mon lit parce que là, en dessous de mon lit...
il y a plein de choses. Donc, on s'est dit, on va mettre un peu plus là aussi. Maintenant, je vais descendre tout ce qui est à descendre parce que j'ai jeté des linges de l'autre côté, mais il faut les descendre et les mettre à laver. Et ça, je le ferai après quand j'irai coucher parce que mon grand qui vient de partir va déjà bientôt revenir. Et oui, la journée passe tellement vite, mes amis. Il vient de partir et il a fini à 11h30, qu'il m'a dit. Il a fini à 11h30, donc il va avoir fini dans quelques minutes. Le principal, c'est qu'au moins les chambres sont déjà faites avant qu'il revienne. Ah oui, j'ai sa chambre à faire et après, je descends. C'est vrai, à oublier. Allez, direction la chambre à côté. Voilà, donc la chambre là, elle est faite. Et la chambre là, elle est faite. Il n'y aura plus que celle-là, mais celle-là, dans 2 minutes, elle est faite. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer. Hein. Le principal, c'est qu'au moins, la salle de bain est faite. Les chambres sont faites, elles sont aérées. Maintenant, direction le QG. Puisque j'ai encore l'autre QG à faire, mais qui est les toilettes là. Ah oui, il y a 2 toilettes. Bon. Regardez-moi la tonne de linge que j'ai à faire. J'ai déjà fait tout ça, mais j'ai tout ça à faire. Oui, mes amis. C'est parti. Thank you.
amis, je vous reprends depuis là tantôt que je vous ai montré que j'avais coupé des légumes, que je les avais lavés, que je les avais mis dans un sachet en plastique, qu'en même temps j'ai pris une casserole pour couper des poireaux en morceaux, pour couper mes pommes de terre. Donc mes pommes de terre sont déjà en train de cuire. Hein, elles sont déjà en train de cuire. Là maintenant, mes poireaux, je viens de les mettre seulement là maintenant en route. Alors je vais faire ça avec une sauce blanche. Hein. J'en ai pris deux pour dire d'avancer parce que les dattes, elles commencent tout doucement à partir lointain. Hein. J'ai pris deux sauces. J'ai pris ça parce que logiquement, je voulais faire ça, autant vous dire, avec du poisson. Car j'avais pris du poisson, du colin, mais pour finir, j'ai dit non, parce que le temps que le colin commence à dégeler, il faudra du temps. Donc j'ai pris du poulet à la place, que je vais faire avec roulé, donc je vais faire des lamelles, ça je vous montrerai après. Et regardez ce champ, c'est incroyable, il est toujours avec moi. C'est incroyable. Ma fille va arriver, elle est sur le chemin, elle va arriver. Elle a fini les cours. Maintenant, elle est en congé jusque mardi, mes amis. Oui, jusque mardi. Vous m'entendez bien? Jusque mardi. Et puis, elle va à l'école mardi. Et puis, fini l'école jusque mardi dans 3 semaines. 3 semaines. Et oui. Et puis, elle est en congé. Puis fini tout parce que elle est fatiguée, elle est crevée, elle n'en peut plus. Elle m'a dit, maman, je sais même pas si mercredi je vais aller à l'école. Je vous avais dit qu'elle aurait école, qu'elle n'aurait plus que mardi et mercredi. Elle ne sait même pas si elle va aller mercredi parce qu'elle a appris par certaines copines de l'école que il y en a qui n'iraient pas à l'école parce que déjà il y en a une déjà dans sa classe qui part déjà en vacances à partir de mardi. Elle part déjà en vacances, donc ça veut dire que elle va à l'école au matin et après dès qu'elle rentre, c'est hop, ils s'en vont direct en avion. Donc ils ont direct l'avion, elle part direct en avion. Donc c'est déjà, hein, donc elle va même plus à l'école mercredi, donc hein, ou alors je crois que c'est comme ça, je ne sais plus de ce qu'elle m'a dit vraiment, parce que cette fille-là, elle m'avait déjà dit que cette fille-là, elle était déjà partie ainsi, que c'était déjà passé, qu'elle avait été à l'école la journée et le soir ils prenaient l'avion et ils partaient. Oui, c'est bon, bref, vous allez me dire qu'on a les parents qui ont les moyens et tout, c'est un peu normal. Donc ici, donc lundi, elle sait pas aller à l'école parce que elle doit aller à l'hôpital, elle doit être là-bas pour 14h20. Donc pour elle, c'est déjà un petit peu dur. Pour aller 2 jours, pour aller 2 heures à l'école, c'est impossible. Donc elle va aller à l'hôpital et puis après, elle a le kiné au soir à 17h30. Ça va être juste, mais bon, elle pourra se reposer, ce sera bien. Alors ici, elle va aller à l'école mardi pour donner son certificat médical de pourquoi elle n'a pas été à l'école lundi et mercredi. Elle sait même pas si elle va aller à l'école. Donc voilà. Donc mais c'est comme je vous ai dit. Donc elle est ici maintenant. Elle est tranquille jusque mardi et après, elle est tranquille jusque lundi. Lundi 10. Lundi 10 janvier. Ouais. Lundi 10 janvier, elle a un rendez-vous à l'hôpital à Bruxelles, hein, Bruxelles comme je vous avais dit. Elle a rendez-vous à 15h et comme nous, il nous faut 2 heures de route où là où on doit aller et elle retourne à l'école le 11. Logiquement, si l'opération ne se fait pas avant, hein, je vous dis, si l'opération ne se fait pas avant. Alors, donc moi je vais faire couper mon poulet en morceaux. À la place de faire du poisson, je vais faire du poulet. Oh, le poulet est encore tout digéré. Attention à ta moustache, quoi. Alors celui-là, hier, c'est logiquement, ça devait être ma fille qui devait donner à manger
à celui-là. Et autant vous dire que c'est moi qui lui a donné à sa place. Parce que bon, elle était fatiguée, elle est rentrée, elle a dormi, elle était crevée. Crevée, crevée, crevée. Donc ici, c'est elle qui va donner à manger au chat. Et je vais lui dire, avant de partir chez Kiné, tu donnes à manger au chat, comme ça tu es tranquille. Hein? Par contre, mes amis, j'étais en train de jouer un petit peu à la console. Hein? Bon. Et ma lampe là, donc la lampe que vous voyez là, était chaude, donc elle était allumée. Hein? Et voilà. Elle était allumée comme là maintenant. Et ce genre de poil là s'est mis dessus. Voilà. Voyez la photo? Vous avez vu où il était couché? C'est vraiment pour dire, c'est bien, oui c'est chaud, jamais c'est chaud. Mais quand même, c'est pas là qu'il doit mettre son cul, hein. Voyez, en plein sur mon papier. Je vous jure, ce chat, j'étais en train de jouer à un jeu où on joue avec des gros monstres là. Ça s'appelle Slime Rancher. La version 1. On attend la version 2, mais bon, moi j'avais déjà fait la version 1, hein. Maintenant je suis en train de la refaire. Mais il n'y a rien, mais regardez ça. On dirait un affamé. Et vous avez déjà vu sa dédaine? Regardez comment elle pend. Regardez comment elle pend. Elle pend énormément fausse, dédaine. Mais arrête d'ouvrir la porte! Regardez ces deux. Regardez, elle pend. Elle se dédaine, elle pend. Alors, il n'aime pas. Hein. Il n'aime pas quand c'est pas à se dédaine. Oui, je mets ma main entre ses deux jambes pour pas qu'il meure. Hein. Non, mais regardez ce qu'il fait. Ce chat, il a faim. Il a faim, je vous avoue qu'il a faim. Mais c'est pas moi qui dois te donner à manger. C'est ni Pépère. C'est celle qui est partie, fille. Parce que là, je vous assure. Là, je vous assure. Alors, niveau machine, allez, on va aller voir. Tant que l'eau t'y chauffe. Qu'est-ce que tu veux? Dit qu'il y avait tout le monde. Bon, il n'y a plus rien. Alors, bah ben lui, il a fini. Ah ben lui, il a fini. Mais oui, j'ai fait passer comme ça. Je sais pas si vous l'avez vu. On devrait avoir le tournis à faire comme ça, je crois. Hein. Clairement. Hein. Même moi, regardez, il a des coiffures. J'ai une de ses dégaines. Ah là là, mes amis. Demain, le live. Vous avez hâte? Même moi aussi. J'ai oublié. Je vous pose là quelques minutes. Attendez. Je vais pas vous laisser dans le séchoir, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser. Vous inquiétez pas, je vous laisse pas dedans. Je mets donc là, ça, les poros ont bien chauffé. Donc je vais mettre un peu de poivre parce qu'il y a déjà eu assez de sel, donc je vais pas en remettre dedans, bien sûr, hein. Pas trop exagéré. Voilà. Je vais mettre ça en route. Vous voyez, à feu doux. Mettre ici.
Mettre mes deux pots de crème fraîche à l'intérieur. Je vous dis, je galère avec le champ, je vous le dis. Oh, le poulet, il vous a fait trembler un petit peu. Donc, si vous voyez un petit peu du tremblé et que vous avez eu du tremblé au début, c'est le champ. Oups, ça c'est moi. Tant vous dire, ça c'est moi. Hop, en voilà une. Et en voilà deux. Voilà. Et donc, moi, je vais faire chauffer tout ça comme il faut. Logiquement, on peut mettre un petit peu de farine, un peu de genre de farine pour épaissir la pâte, qui est un peu comme ce genre-ci. Je vais vous montrer. Vous pouvez mettre ça pour épaissir la pâte. C'est un peu comme pour les lasagnes, mais ça va hyper bien, cette sauce-là. C'est des sachets. Et je vous jure, ça va hyperbement bien. Il y en a quatre dedans. Bon, moi, j'en ai déjà fait une pour mes pâtes, mais je vous jure que ça va bien. Donc, moi, je ne pense pas en avoir besoin ici de vous. Ou alors, si vous voulez, il y a ce genre-ci. Hein? Vous voyez? Ça aussi, c'est bon aussi pour faire les soupes. Les gâteaux ou les sauces. Vous voyez, il fait marquer sauce, gâteau et soupe. Donc, hein, moi ici, je ne pense pas non plus. Je voyez, j'ai le choix hein, pour épaissir la sauce. Parce qu'il y en a, ils épaississent la sauce. Donc, moi, je ne pense pas que je vais savoir l'épaissir. S'il faut l'épaissir, je le verrai tout de suite. Je vais bien mélanger. Et je mettrai les pommes de terre avec les légumes. Et je crois qu'on mangera bien après. Hein? Voilà. Donc je vous laisse regarder la suite. Voilà, je vous montre. Oui, le poulet, il est là. Il est là. Vous voyez? Hein? Bon, moi, j'aime bien tout tremper dans le vide. Vous ai mis sur mon PC, sur mon bureau, parce que la lumière est plus forte. Voilà. Allez, je vous laisse, parce qu'on va manger. Bon, mes amis, autant vous dire, je crois que je vais vous laisser. Je crois que je vais vous abandonner. Je vais vous abandonner. Demain, autant vous dire, va être une grosse journée pour moi, car je pars toute la journée avec mon fils, dirait le grand, hein, celui que vous voyez toujours les jambes et les mains et presque la moitié de la partie de son corps. Donc avec lui, je pars avec lui. On va aller faire des courses, on va aller faire un tour au magasin. Vous verrez le retour de course. Je crois qu'à mon avis, il voudra peut-être que je vous le montre. Ça, vous verrez bien. Mais il y aura aussi le calendrier de l'Avent qui sera fait aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ma fille, de toute façon, sera en congé. C'est moi qui vais ouvrir tous les calendriers parce qu'aujourd'hui, c'était elle. Donc, c'est moi qui vais ouvrir tous les calendriers. Comme ça, au moins, vous verrez tout ce qu'il y avait. Et voilà. Et alors, au soir, ben, il y aura le fameux live où là, on va tous se parler. Où d'un côté, c'est vous qui allez me voir comme si je vous vlogue, là. Hein, mais à la place, vous allez vous baboter avec moi. Et voilà. Et voilà, peut-être que mon fils sera peut-être témoin, ou sera peut-être là, pardon, ou pas, j'en sais rien.
Je vais voir, je verrai bien par après avec lui. Mais bon, hein, ça, je ne sais pas vous en dire plus. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo avec menu et rangement et nettoyage et tout ça, coin, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve. Je vous dis d'une chose, la nourriture que j'ai faite était bien tendre. La viande était bien tendre parce que j'ai mis du beurre, comme vous avez vu, et après j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Et je vous dis pas comment la viande était légère à manger. On serait cru dans un nuage. Il y a encore à manger et mes enfants ont tellement bien mangé qu'ils ont le ventre, voilà, jusque là au-dessus. Ah ouais. Même la sauce était tellement bonne, ça j'ai oublié de, je suis en train de penser au dîner. Même la sauce était tellement bonne que même autant vous dire que je vous avais dit que je ne sais pas si je mettrais un petit peu de sachet pour adoucir la sauce ou quoi. Eh bien, j'étais obligée parce que la sauce était trop épaisse, était trop légère. Donc j'ai quand même mis un sachet. De la boîte que je vous ai montrée en premier, pas la deuxième, la première. Et je vous dis pas, c'était trop bon. Mais c'était trop bon, trop bon, trop bon, mes amis. Trop bon. Mais au moins, j'ai pas mis de sel. Le sel était déjà mis dans les poros, donc j'en ai pas remis. J'ai remis un petit peu de poivre, ça vous l'avez vu. Et c'est tout. Et c'était délicieux, mes amis, machallah. C'était délicieux. Voilà. Donc maintenant, je vous ai dit ce qui s'était passé au niveau du dîner. Et voilà. Allez, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et n'oubliez pas non plus d'aller faire la petite sonnette. Pour être... Voilà, allez!